Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pommes de terre à la suédoise à ma façon. Les ingrédients, il va nous falloir des pommes de terre. J'en ai mis entre 6 et 8 pommes de terre. Vous pouvez garder la peau, la retirer, c'est comme vous voulez. À peu près 50 g de beurre, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une ou deux petites gousses d'ail. 3 cuillères à soupe de persil haché, des feuilles de laurier. Et pour la sauce, on va mettre un oignon haché, une petite gousse d'ail, du sel et de la crème liquide. Donc, on va commencer par les pommes de terre. On les a d'abord lavées et séchées. Le plus difficile, ça va être la découpe. Donc, je vous donne une astuce. Vous rentrez un pic à brochette aux 3/4 de la pomme de terre. Rentrez un pic à brochette aux 3/4 de la pomme de terre. Comme ça, quand vous allez couper, elle ne va pas s'ouvrir en entière. Et vous allez faire des petites tranches. Hop, et vous arrêtez d'égoussanter le pic. À peu près 2 mm d'épaisseur. Voilà, on retire le pic. Vous voyez, ça doit donner ça. Donc, on laisse de côté. On fait pareil pour toutes les autres pommes de terre. Voilà. Donc là, on a fait pareil pour toutes les autres pommes de terre. Ça fait comme un accordéon. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de mettre le pic à brochette. Ça nous évite de les couper jusqu'au bout. Donc là, on les met toutes dans un plat qui va au four. Ensuite, on va prendre le beurre. On va mettre l'ail dedans. Et on va le faire fondre au micro-ondes. Donc là, on a fait fondre notre beurre avec l'ail à l'intérieur. On va ajouter la moitié du persil. Je vais mettre une bonne pincée de sel, une pincée de poivre. On va mélanger et on va badigeonner toutes nos pommes de terre avec ça. On n'hésite pas à ouvrir entre les. Voilà, on a badigeonné toutes les pommes de terre. On va mettre aussi le persil entre les feuilles, entre les lamelles. Et on va prendre ce qui reste, on va le verser sur toutes les pommes de terre. Mettre une feuille de laurier entre chaque, enfin une dans chaque pomme de terre. Voilà, on a mis une feuille de laurier dans chaque patate. La deuxième moitié du persil, on va la garder pour la sauce. On va mettre nos pommes de terre au four à peu près 50 minutes à 180 degrés. Pendant que nos pommes de terre sont au four, on va passer à la sauce qui va paner les pommes de terre. Donc dans une casserole, je vais chauffer un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons. Ensuite, on va ajouter la petite gousse d'ail. On va mettre notre crème. Donc là, on va mettre une pincée de poivre, une bonne pincée de sel, le persil qui nous restait de tout à l'heure. On va mélanger et on va laisser la crème à ébullition.
Notre sauce est prête. On va la réserver de côté le temps que les patates soient cuites. Ensuite, on va la verser sur les patates. On peut mettre un peu de fromage râpé si on veut, du parmesan, on peut même mettre des épices, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc on se retrouve dès que les pommes de terre sont cuites. Voilà, donc nos patates sont presque cuites. J'ai retiré les feuilles de laurier. J'ai ajouté du fromage râpé. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je vais le mettre un petit peu sur chaque pomme de terre et je vais les remettre 5 minutes au four. Voilà. Je les remets au four 5 minutes. J'ai récupéré la sauce que j'ai mise dans un bol. Une fois que le fromage sera bien gratiné, je verserai la sauce dessus. Voilà, on a mis le fromage à gratiner 5 minutes au four. Les patates sont cuites. On peut les servir comme ça avec la sauce à côté. Moi, je vais verser directement la sauce dans le plat. Voilà, je les ai quand même repassés 2-3 minutes au four après avoir mis la crème. Je vais servir ce plat accompagné de poulet rôti. Vous pouvez servir avec ce que vous voulez. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de cliquer j'aime et abonnez-vous.